Catastrophe, votre animal vient de se faire mal, mais comment faire? Si la plaie paraît profonde, n'attendez pas et foncez chez le vétérinaire. Si elle est superficielle, par contre, voici les étapes. 1. Vous nettoyez la plaie. Une plaie sale ne cicatrise jamais. Nettoyez avec du sérum physiologique ou de l'eau. 2. Vous désinfectez avec une solution antiseptique style bétadine, biseptine ou oxygénée. Et 3. Vous protégez et vous aidez à cicatriser. Selon le type de plaie et la localisation, soit il vaut mieux protéger et recouvrir la plaie, soit la laisser à l'air libre. Mais comment faire si votre animal se lèche? Si vous avez une collerette, vous pouvez la mettre, mais pour certains, ça devient insupportable. Vous pouvez également appliquer une solution qui va empêcher votre animal de se lécher. Le Dermiloa permet de cicatriser et de protéger en même temps. C'est un spray qui contient d'extraits de végétaux naturels, permettant d'une part d'empêcher le léchage à cause de son odeur et de son goût, et d'autre part, il a des propriétés antidouleurs, antibactériennes et cicatrisantes. Pour une meilleure efficacité, appliquez 3 à 4 fois par jour. Donc, n'oubliez pas ces étapes. D'abord, nettoyez, puis désinfectez et protéger.